Stop. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Encore une vidéo de Noël. J'avais envie de vous sortir une vidéo sur des cadeaux. Mais pas les cadeaux, des palettes de maquillage et tout. Parce que ça j'adore en regarder hein. Je dénigre pas du tout, ça c'est... J'adore regarder ce genre de vidéos. Mais je trouve que ce qu'on voit pas trop, c'est les idées cadeaux originales. Tu sais, les trucs complètement what the fuck, ça c'est ma spécialité, j'adore chercher ce genre de choses. Donc je vous ai fait ma petite compilation de 20 idées cadeaux originales, un peu what the fuck pour certains trucs. Je sais qu'il y a des choses qui servent, enfin qui sont inutiles, faut le dire. Mais moi ça me fait rire, je sais pas, puis d'offrir ça, je trouve ça une bonne idée. Je vais pas vous présenter des trucs de beauté, donc vraiment tous les cadeaux sont mixtes et ça j'y tenais absolument. Tous les liens seront dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à la lire et à aller la voir. En ce qui concerne le prix, je vous ai pas dit, mais en gros ça va de 5€, non de 3€ à... Je crois que je suis montée haut mais avec un truc de merde je crois. Oui, ça va jusqu'à 80€, mais à 80€, enfin... Non, c'est original. Je vais pas me justifier à 150 ans et je commence avec ma liste. J'ai tout marqué là et j'ai les photos aussi sur mon téléphone au cas où je n'arrive pas à comprendre ce que j'ai marqué. Ce qui est fort probable. Du coup, la première idée que j'ai trouvée, c'est les chaussons chauffants. J'ai trouvé ça trop trop cool. L'hiver, t'as toujours froid et des chaussons qui sont chauffants, mais c'est trop cool. Ça coûte 25€, donc c'est pas donné non plus, mais je trouve que l'attention, enfin, c'est pas mal. Je suis tombée sur ce livre sur Amazon. Là, je me souviens d'où c'est. Mais mon Dieu, mais ça, il faut que je l'achète et que je l'offre à quelqu'un. C'est obligé. C'est énorme. C'est énorme. Hormis ça, apparemment, c'est un livre qui a vraiment... Enfin, moi je croyais que c'était juste de l'humour, mais apparemment ça apprend vraiment pas comment traumatiser son enfant. On va peut-être pas exagérer, vraiment avec des méthodes éducatives. Les avis sur Amazon étaient vraiment cool et je m'attendais pas à ça. Mais rien que le titre, enfin, il faut que je l'offre à quelqu'un qui ait des enfants, c'est obligé. Ça c'est pas complètement what the fuck, mais j'ai trouvé un réveil avec des sons de la nature. C'est original. Et je trouve ça sympa de se réveiller avec des sons hyper calmes, hyper doux. Parce que les réveils avec des musiques genre où ça te transperce les tympans, moi j'y arrive pas. Et j'ai trouvé ça assez original et ça coûtait 35€. Un peu cher par contre. Une enceinte waterproof qui va sous la douche. Mais ça c'est juste le rêve en fait, j'aurais dû la mettre dans ma wishlist aussi. C'est trop cool parce que moi mon enceinte, elle est juste là. J'ai une JBL que j'ai depuis des années. Elle est bien, mais tu vois, elle va pas avec moi dans la douche et donc je la mets pas trop fort pour éviter de déranger mes voisins. Mais une enceinte qui va dans la douche, c'est une bonne idée. Et en plus, je crois que tu peux répondre aux appels, donc trop cool. Il y en a vraiment à tous les prix, mais genre j'en ai trouvé à 9€ le premier prix. Sinon à 17, à 45, enfin il y en a vraiment à tous les prix. Ça, j'ai trouvé ça trop cool pour ceux qui ont une baignoire, si vous prenez du temps de prendre les bains. Genre une espèce de petite tablette, bah, ça sert à rien que je vous décrive, vous voyez l'image juste ici, mais une petite tablette où vous posez tous vos petits trucs et vous pouvez regarder des films, vous pouvez manger. Ça coûte environ 45€, mais vous pouvez trouver sur plein de sites, moins cher, plus cher, il y a un peu de tout. Oui, quand je suis tombée sur la catégorie livres de Amazon, je me suis éclatée. J'ai trouvé celui-ci. Franchement, un livre, l'art de péter, si vous l'offrez à quelqu'un qui a... Savez-vous, genre, quelqu'un qui pète souvent, qui en rigole et tout. C'est trop drôle, enfin, moi ça me fait trop rire. Le livre coûte 5€, donc ça peut être une bonne petite blague, soit à côté d'un cadeau, soit tout seul. Un support pour smartphone, comme ça c'est hyper cool, genre vous pouvez le poser sur votre table de nuit ou sur votre coiffeuse de maquillage, genre pour poser votre téléphone et vous l'incliner comme vous voulez, genre il est devant vous. Je trouve ça hyper cool et pas forcément cher, j'en ai trouvé une à 13€, enfin un support, j'ai trouvé un support, j'en ai trouvé, je me fais rire toute seule. Un étui à bière, je trouve ça hyper cool, genre tu peux le glisser dans ta poche. Évidemment tout ce qui concerne l'alcool, faut que la personne soit majeure. Ensuite pour 7€, j'ai trouvé un bocal à message. Je trouve ça super sympa comme idée pour une maman, pour une amie, pour une personne qu'on aime. Après vous pouvez même le faire pour moins cher, faire en mode DIY, prendre un bocal, écrire des petits mots. Une batterie de secours, tout le monde a besoin d'une batterie de secours, surtout avec un iPhone, surtout avec un iPhone très vieux. Une batterie de secours c'est la base, il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs, de tous les prix, de tout, il y a de tout. Mais j'ai trouvé que celle-ci était pas mal, elle était sympa et elle était à 20€. J'ai vu aussi un coffret pour fabriquer sa propre bière. Après faut prendre le temps de le faire, faut que la personne aime concevoir ses propres aliments, ses propres boissons. Et ça coûte 40€. Une lampe cactus, un peu moins originale.
un peu moins what the fuck, mais je trouve ça sympa et ça coûte 25 euros. Oui, je me suis perdue dans la catégorie livre sur Amazon. Mais ce livre aussi, c'est hyper cool. 150 idées, t'en as quand même pas mal. Puis c'est pas cher du tout, genre ça coûte 3 euros. Ensuite, un mug que j'ai vu sur le Snapchat de Emma Dolly. Genre, tu mets de l'eau dedans, enfin de l'eau chaude pour boire ton thé, ton café, ce que tu veux tant que c'est chaud. Et il y a le nez qui change de couleur, je trouve ça trop mignon. Et il coûte 13 euros. Ensuite, ceci est l'objet le plus cher que je vais vous présenter dans cette vidéo. Mais j'ai trouvé ça trop original et trop cool. Bon, par contre, c'est cher. Il coûte 80 euros, mais c'est un frigo portable. Genre, tu peux le brancher dans ta voiture parce qu'il y a un embout allume-cigare. Tu peux le brancher dans ta chambre si t'es encore chez tes parents, mais que t'as envie d'avoir ton tout petit frigo. Je crois que c'est une mini contenance, hein. Mais vraiment, je trouve ça trop sympa, genre pour mettre des canettes ou du chocolat. Ou... Je trouve que c'est une bonne idée. C'est exactement ce que je pensais qu'il allait m'arriver. Coffret sommelier, je sais plus ce que c'est. On va aller voir mes photos. Ah mais oui, c'est un cadeau que j'ai déjà fait à mon père. En fait, c'est en forme de bouteille de vin. Et quand vous l'ouvrez, et ben vous avez tout ce qu'il faut pour le vin. Un tire-bouchon et d'autres petits trucs, je connais pas le nom. Mais j'ai trouvé ça hyper cool et puis c'est pas forcément très cher. Je l'ai trouvé sur internet à 12 euros. Ensuite, je crois que ça, c'est le truc révolutionnaire de la vie. Qui n'a jamais eu envie de faire sonner ses clés? Tu sais, quand tu les as perdues, tu te dis c'est... Dommage que ce soit pas mon téléphone, je l'aurais fait sonner. Mais là, tu peux. Enfin, c'est pas vraiment sonner, mais genre, tu siffles et tes clés s'allument. Genre, ça coûte 6 euros, donc ça te ruine pas. Mais je trouve ça trop cool. Je sais pas si ça marche vraiment. Eh mais... Genre ça se met à s'allumer, donc si c'est dans ton sac, tu vois, ça s'allume. Tu vois où tu les as posés, quoi. Celui-ci, il est un petit peu gadget. Mais, pareil, je trouve ça hyper, hyper stylé. Ta douche qui s'allume. Et en plus de ce que j'ai lu, ça change de couleur selon la température. Et ça coûte 33 euros. Toujours pour rester dans le thème des clés, je sais pas si vous me suivez, mais j'ai un peu du mal avec les clés parce que... J'ai été coincée en dehors de chez moi puisque c'est mon copain qui avait mes clés, mon copain qui est à 400 km de chez moi. Enfin bref, ça m'a marqué. Et du coup, ça, j'ai trouvé ça hyper cool. Je pourrais pas m'en servir parce que ça, tu t'en sers qu'à la campagne, tu vois. C'est un caillou où tu peux rentrer tes clés à l'intérieur et les cacher. Moi, je mets ça devant ma porte. Enfin, en ville, on se demande pourquoi il y a un caillou. Ça va même attirer le regard. Mais je sais qu'à la campagne, mais c'est trop cool. Ça, j'ai trouvé hyper cool aussi. C'est un distributeur de boissons. Je trouve trop joli, trop stylé. C'est... bah, tu mets la boisson que tu veux à l'intérieur. Et après, bah, ça porte bien son nom. Tu distribues la boisson. Ça coûte 55 euros, c'est quand même assez cher. Mais je trouve ça pas mal. J'en ai fini avec mes 20 idées cadeaux originales et complètement what the fuck pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous, vous avez des idées originales, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. On manque toujours d'idées pour Noël, donc c'est toujours bon à prendre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye!